La caravane sur la responsabilité dirigée par l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais s'est rendue dans le Komo Manda le week-end dernier. De nombreux jeunes de ce département se sont rendus à la salle polyvalente lycée technique de Ntoum pour venir écouter le message du délégué national. D'entrée, le délégué communal, heureux de la démarche des jeunes du Parti démocratique gabonais, n'a pas manqué de souligner les difficultés auxquelles sont confrontés les jeunes de ce département. Camarades, votre visite chez nous, la première du genre dans le prolongement des actions que vous ne cessez de mener en faveur des jeunes, dans leur diversité. À l'attention de la jeunesse, Vivien Amos Péa s'est appesanti sur ce sujet qui le tient à cœur et qui est l'objet principal de cette tournée, la responsabilité. Vous avez remarqué que nous avons peut-être été tenus du parti, mais le discours que nous tenons aujourd'hui est un discours citoyen. Parce que le rôle d'un organisme de jeunesse comme le GIP, c'est d'abord de participer à l'éducation de la société et l'éducation de la jeunesse. Les jeunes ont bien compris le message, mais ils sollicitent de l'État une aide pour la mise en place des structures de formation pour la jeunesse. Ce qui m'intéresse beaucoup dans ça, parce qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui par catégorie. Il y a ceux qui sont là, qui sont complètement démoralisés moralement, tout simplement, parce que ils n'ont plus de ressources, ils n'ont plus des personnes qui ont leur aide pour leur donner des forces à continuer soit dans les études, ou ceux qui n'ont plus, ceux qui peuvent les pousser dans les études, mais pour leur donner des moyens afin d'obtenir un métier fiable. Cette virée dans le département du Komo Manda s'inscrit dans le cadre de la cinquième étape de la caravane de l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais à travers le Gabon.